Bonjour, bienvenue dans l'émission de l'avenir du Congo. Le Congo est une émission qui nous permet de faire la République démocratique du Congo, dans la diaspora, puis la diaspora, dans la République démocratique du Congo. Dans la journée, les autres se déplacent, et nous avons un frère Serge Kibunda. Frère Serge Kibunda, vraiment, avec à côté, à la parole de Dieu, dans l'émission de l'avenir du Congo. Aujourd'hui, tout s'est décidé, tout est comme on a, parce que les Congolais se sont posés la question, vraiment. Prédication la dernière fois et c'est là qu'il y a Congolais va se poser des questions parce qu'il y a le bâti qui est Kofuta Dim n'est plus une actualité. Le pasteur est belé, va combien qui bissou, va benga qui bissou, va silica qui. C'est pour ça que tout le monde n'est encore pas naïe pour tout le monde évolue encore dans ma caméra. Donc, frère Serge Kibunda, bonjour. Bonjour, bonjour frères et sœurs. Voilà, bienvenue dans les Congo, toi invité pour moi, tout le monde pour comprendre. Alors, dernière fois, au parler qui sur Dim, bah pasteur rebelle, bah benga kibiso, bah komela kibiso, bah qui n'en canda parce que le bail qui est Dim est dans l'actualité. Pourquoi? Parce que tous les gars qui ont mis à éclaircir encore peuple de Dieu parce qu'ils créent confusion. Du coup, bah Congolais rebelle, bah oui qui va vous foutre les sous Dim parce que Dim n'est pas en actualité. On comprend plus rien. Est-ce que Dim est dans la technologie? Qu'est-ce qui fait que bah pasteur bah silica? Mais qu'à quoi éclaircir biso encore sur ces points-là? On va prier le Seigneur. Père Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments magnifiques que tu nous as accordés. Conduis et parle à ton peuple. Amen. Amen. Tu sais, frère, dans mon avis, mon commentaire, mon pasteur, il faut que l'autre soit. Je vais dire que Abraham n'a Moïse. Moïse et Abraham n'ont pas reçu la révélation de l'Église. On ne peut pas s'attacher à Bango. Pour comment fonctionnement de l'église. Donc, s'attacher à l'apôtre, fondement des apôtres. Tout le temps, l'apôtre, il y a un peu de temps à l'apôtre. Il y a un peu de temps à l'apôtre. Mais, tout s'appuie dans l'écriture. 1 Corinthiens 4, verset 3 nous dit : si notre évangile est voilé, est encore voilé pour ceux qui périssent, dont les dieux de cet âge, le diable, a aveuglé l'entendement. Ça veut dire quoi? Même dans 1 Corinthiens 3, verset 15, quand on lit Moïse, soudain voile moko, un voile et ko kangamote mabatu. Et ko zipa mote mabatu. Si quoi? Dim ko pesa dim, et sa loi, ma belle loi sur toi, c'est un faux salaire, nyoso. Tout, il a pris des sangs même. Et que Galates 5, verset 4 nous dit, vous êtes séparés de Christ. Tout ce qui cherche la justification dans la loi. Donc, si vous êtes la loi, vous êtes séparés de Christ. Et c'est plus grave, dans le Bible, vous êtes dessus de la grâce. Nous avons trouvé la grâce. Tout le monde a trouvé la grâce. On vit par cette grâce. Je suis dessus de la grâce. Il y a un moment où il n'y a pas de passe. Mais il n'y a rien qui bouge. C'est ça le problème. Donc, dîme n'est plus d'actualité. Il ne faut pas payer la dîme. Voilà. J'entends aux autres parce qu'ils ont créé problème. Lorsque vous dites que la dîme, le pasteur va revivre comment? Bah, vivre, il y a. Tant que vous êtes bon, vous avez pour la couper ça. Femme veuve, que soutenez femme veuve, l'œuvre de Dieu, orphelin, toi n'a pas. Alors un pasteur, il faut qu'il ait ça là. Il faut travailler parce que Paul y travaillait. Mais c'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, dans la carte de l'église, nous avons là, tout le monde a pasteur, qu'on s'est rajeunir encore, mais diacre à maman, dans la forme un peu médiocre. C'est comme si sur le côté de la carte de l'église, nous avons comme la forme, on dirait. À quoi il malheureux dans la vie naïe, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Parce que les pasteurs, c'est parce qu'ils sont égoïstes ou bien comment? Non, mais ce ne sont pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas avoir déjà cette attitude de Zambongo, Yambongo, Zambongo, Yako. Non, ce n'est pas l'attitude. Tout le monde a battu. Ezaka, évolution, Ezaka dans le côté bon corps. Je vais passer comme une voiture en danger. Je vais en danger. Et le peuple de Dieu va souffrir. Regarde les Congolais comment ils souffrent. Tant l'amour à la mission,
Batou, batou, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, programme si programme. Et qui va dire que tu as travaillé, passé que tu as raté. Parce que tu as raté, tu as un bon maquillé. Je suis là, moi si dans Kitoko, à la Kitoko, moi en côté de quatre églises, qui t'a mon ya bon mi balé, moi c'est mon balé, nani bosso, qui t'a cuir ya Kitoko ma kasi, mais oui oui ya ma pays, ya bon ma bien, ma pépé de Dieu, bah tu m'as mon moussika, et que, bah diacre, bah nani tout, selon Nenge Paul à l'obaki, que faut que diacre à la zam, maridine, tu vois, bah évêque, et que bah ça va tout moko, bibliquement par là, faut bah on peut pas ça là. Et qui peut payer ça là pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir bat bazo manqué bat bazo bazo cosa bah passer ma baza ma miyibi. Donc voilà, na ngato kota to fungo encore, parce que en parlant de tout ce qui est aux bah c'est très important aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Tout le monde va congolais belé bah comme quoi on a ba coutume, quoi on a ba nzambe, quoi on a simo kimbango balobi ke bango bah comme na bango, quoi on a ba bokoko na biso bango ba bi ke simo kimbango nde a comme Jésus-Christ na bango. Alors surtout il dit que Simon Kimbango lui-même est croyant en Jésus-Christ. Aujourd'hui, peuple de Dieu, par rapport à ce qui se passe dans l'église de Dieu, par exemple, quoi en Simon Kimbango, par tous ceux qui va voir, alors, bah, colons ne m'ont même pas en Afrique. Est-ce que, bah, colons m'ont même pas en Afrique. Est-ce que le fait de prier Simon Kimbango, de prier Dieu Jésus-Christ, est-ce que ça cause problème? Oui, ça cause un grand problème. Là aussi, ils allaient causer une malédiction. République démocratique du Congo, ils ont vivre l'homme africain, obéli par un homme noir. Ça n'existe pas. L'homme noir faut comprendre déjà. Déjà, beaucoup comprendre de façon dans le bas l'homme noir africain. En fait, c'est pas le colon baya la parole de Dieu en Afrique. C'est faux. Ce total est dans acte 2. Au commencement, dans l'église, ils ont banda. Nzambe a convoqué qui toute race. Tout le monde qui est dans l'acte 2, verset 7, il était tout surpris et dans l'admiration, se disant l'un aux autres, voici tous ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens? Mais verset 8, comment donc chacun de nous les attend? Comment nous attendons parler de la propre langue du pays où nous sommes nés? Dans la base qui on a Parthes, Med, Elamite et ceux qui habitent la Mésopotamie, donc Perse, Irakien, Iranien et tout compagnie. Bazakiwana, la Judée, Cappadoce, les ponts Asie Mineure, Bazakiwana, Phrygie, Phrygie et Zali côté à Liban. Libanais Bazalaki, Pamphylie, côté Turquie, Turquie Bazalaki, les Égyptiens Bazalaki noir, Bazalaki n'est tout le monde à Berbère, Bazalaki on a été l'élo, dans le territoire à Libye Bazalaki, c'est tous les Africains. Au moins, qui a mis naissance à l'église, l'Africain Bazalaki. Tant que vous avez appelé le sous, normalement aussi, au moins, l'acte des apôtres 11. C'est grave. Il y a au moins l'Africain, il faut autant à la Bible, parce que tout est là. Dans l'acte des apôtres 11, au moment là que nani ba fuké bazara ki wana ba kenda ki mission na me kotanga na acte des apôtres 11 verset 20 na ba na 19 ceux qui avaient été dispersés de la tribulation sont venus à cause des chaînes. Au moment que chaîne ta kufa ki ba fuké bazara ki wana na l'action ngo aller jusqu'à Phénicie ezali wa ezali Liban dans l'île de Chypre et Antioche, s'annonçant la parole à personne, seulement aux Juifs. Bâton, alors qu'on annonce ces paroles qui sont les Juifs. Mais, il y a parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étaient venus à Antioche. Bâton, il y a Cyrène, bâton, fan, là-bas, noir, africain. Bah papa n'a mis soit coco 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 n'a mis soit enfant à la sirène, tu vois. Bon, on est bas côté à Maloba, il y a Nzambe, il y a Jésus Christ, message. Oh bon, on a noté à moi déjà à l'époque les hommes des sirènes, ils prêchaient. Ouais, puis na Antioche et Zali na Syrie. Au moins dit ça, c'est manière comme ça. Bah coco n'a mis soit enfant qui prêchait na Syrie. Surtout il y a na Acte des Apôtres verset 13 et na
chapitre 13, au Mona, la terre en Lombango, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Azakiwana. Nous avons le bien dans la parole, dans la prophétie, Batia a séparé Barnabas et Paul pour que ça soit Moussa. Il y avait des gens qui les avaient imposé leurs mains. Tu vois, 11. D'accord, mais. Pardon, non, mon coup, c'est. Tu vois, Abi séparé. Il y a dans Acte 13, verset 3. Abi, séparez-moi maintenant Barnabas et Paul avec l'œuvre à laquelle je les ai appelé. Alors, après avoir jeûné et prié, il a imposé les mains. Il a imposé les mains. Surtout dans le verset 1, les Cyréniens, les Cyréniens, c'est les Africains. Ils ont posé les Paul dans Barnabas. Voilà, tout marqué pause, on revient juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je suis par frère Serge Tibunda pour tout pour approfondir de ces autres fongos qui sont Badim et aussi vraiment parce que les Congolais sont bien qui sont pourquoi Dim, pourquoi au foot à Dim, parce que ils créent tout dans le cerveau des Congolais. Donc c'est pour ça que vraiment tous les frère Serge Tibunda pour me approfondir encore sur ces points. Voilà, frère Serge, vraiment pour faire cette explication. Par rapport à aujourd'hui, les Congolais ont dit que Jésus-Christ est un homme colon, il a utilisé qui pour affaiblir l'homme. Non, c'est faux. Et aussi, comme il a beaucoup de choses, alors que Simon Kimban lui-même croyait en Jésus-Christ. Voilà, on a dit qu'il finir vraiment l'explication, et ça l'a un peu clair pour les Congolais vraiment comprendre ce qui se passe. Mais c'est faux, on est tout aussi content à Monique, qu'on a vu ce africain là. Quand il y a parole, quand il y a histoire de l'église, vraie histoire, dans ma Paul, dans ma Pierre, dans ma Barnabas, il y a déjà. Tu vois? Donc ce ne sont pas les colons, mais il y a un message. Il y a Monique, la reine de Séba, à côté de la roi Salomon, pour nous, on a montré la reine de Séba, pour mon ennemi éthiopien. Génération, nous sommes que tu peux mener autant à Nevi'im, autant à prophète. Donc, Moussala et Banek au Salam. Donc, ma coronabus, et le retour, il y a ma coronabus, comme on s'en bat tout le monde, c'est la sorcellerie, frère. C'est la sorcellerie, il y a base, il y a problème, malédiction, au Zoukou, à Léon, à Congo. C'est la sorcellerie. Et que, ma colon, au Baïki, dans Jésus-Christ déguisé. Ça aussi, c'est la sorcellerie. Bon, ben, il n'a pas de statue. Est-ce qu'il y a une différence entre le vrai Jésus-Christ et le faux Jésus-Christ? Oh, le Bacolon, mais il n'a pas de statue. Bon, ben, il n'a pas de faux Jésus-Christ. Ben, il n'a pas de statue. Jésus-Christ déguisé. Maintenant, on va adorer la statue. La statue, il y a Baal, il y a Astarté. Tu vois, il y a mon église, il y a mon église, il y a mon combo. Il y a mon combat Jésus-Christ, mais il y a faux Jésus. Vraiment, il y a mon frère qui sait, il faut que je me casse le Corona parce que c'est la sorcellerie. Il y a un des alliés, ils ont causé une malédiction terrible. Tu vois, au lobby du sous-sous, Nani, Simon Kimbango, Nzambe, Batumundu. Non, mais ce qu'on a dit, Kimbangis aujourd'hui, Dialongana, Azo représenté Dieu, qui sur lequel Azo représenté Saint-Esprit, Diangenda, Azo représenté Jésus-Christ. C'est la confusion. C'est Simon qui manque en fait à la place de Diangenda. Oui. Donc, il fallait Diangenda, Jésus-Christ. Ce que Simon qui manque à Zanay.
Donc, tout ça, c'est l'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Dieu n'est pas dedans. Tu vois, il y a un frère de sœur, il faut pas bimana bilo qu'on a pour nous amazater. C'est là, nous avons exalé qui déjà à l'époque, il y a très longtemps. Peut-être faut comprendre l'histoire de l'homme noir. Afrique de l'époque, ils avaient une Afrique à l'autre. Afrique, ils avaient le même territoire, la reine de Seba, Éthiopie, ils avaient qui était au Yémen. Yémen, ils avaient Afrique, Nathan Wakam. Rome, Europe, ils avaient Rome. Bah, Espagne, bah, France, nous, ils avaient le territoire à Rome. Mais tu vas comprendre l'histoire, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est la Bible. Sinon, c'est compliqué. D'accord, on a dit au Mérico, expliquez-moi un peu où est l'église de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'église est comme un peu compliqué. Comme l'église. Ok, l'église, vous voyez, pasteur a qui a maudit. Ok, l'église, vous voyez, pasteur a qui a dit au Maboko, au Koum, il n'y a pas de problème. Ok, l'église, vous voyez, pasteur a pandi, il y a moi, sinayo, pasteur a commis télécommande, il y a couple, il on n'arrive pas à comprendre où se trouve. Église, il y a solo et en Zambé. Où se trouve Jésus-Christ et à solo? Où se trouve Dieu? Comment peut-on repérer l'église de Dieu? Repérage l'église de Dieu, déjà pour comprendre l'église de Dieu, il y a mon frère et sœur, il y a la lecteur, il y a la Bible. Il y a la Bible, il y a l'esprit, tant que tu as la Bible. C'est très important. Seigneur, pour nous comprendre l'église de Dieu, l'église de Dieu c'est quoi? C'est spirituel, mais pour comprendre l'amour, il faut comprendre déjà tant que tu as la Bible. Vous comprenez l'écriture. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa qui l'image de Dieu? Dieu créa Adam, le premier Adam. Adam, c'était l'image de Jésus-Christ. Dieu a dit, et on est dans la Genèse 1, verset 20, 28. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu vois, Dieu. Et dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu fit endormir Adam un profond sommeil, tira une côte et forma Isha, une femme, Ève. Et qui est la sinine. Il fallait que Christ soit mort. Au moins, il pongi oyo à l'aide de Adam. Parce que Adam a représenté l'image de Dieu, c'est Christ. Premier Adam. Tu vois, pour comprendre déjà, premier Adam, il faut tout y avoir un tout petit peu dans Genèse 1. Non, mais quand on explique, je vais te ramener quelque part. Dieu a dit, comment dirais-je, dans Genèse 1, l'écriture nous parle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Dans ma bandit, ça n'a pas l'icolo. Après, que ça m'a belé. Mais la terre devient informe et vide. Dans mon âme, la terre devient informe et vide. Ça veut dire quoi? La terre, c'est terrien, c'est Adam. Dans moi, déjà, Adam, il est encore informe et vide. Et que Dieu, à Salénini, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Selon Genèse, et pardon, selon Apocalypse 17, verset 15, les eaux que vous voyez, que la femme est assise, ça veut dire que les eaux, ce sont le peuple, les langues et les nations. Ils ont le même contexte. Donc, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des peuples, des nations et des langues. Non, il y a mes mots quelque part pour comprendre l'église de Dieu. Il faut comprendre d'abord Genèse, Bereshit. Et que Seigneur, Esprit de Dieu, cherchait quoi au-dessus des eaux? Les eaux, ils allaient battre. Le peuple, les nations et les langues. Et cherchait quoi? Luc 1, chapitre, verset 26 à 36. Cet esprit a trouvé une femme vierge. A continué une femme vierge. Pour nous sauver, la femme vierge là, ou Abimissi, deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, pour sauver Adam qui était devenu informe et vide. Nous comprenons déjà tout le comment. C'est pour ça que Dieu a créé Adam. Il a ce processus. A créé Adam à l'obi, à l'âge de Adam, pour nous attirer une côte, pour nous Abimissa, Isha, une femme. Donc nous avons ça l'église. Adam, c'est Christ, image de Christ.
Pongi Adam là qui fait et qui mort et la résurrection il y a Christ. Fait que Christ a coup faut pas église bima. Église bimi Isha, une femme. Là, tu vois cette église là. Oh, Christ a lobby, je bâtirai mon église dans Marc, dans Matthieu 16 verset 18. Je bâtirai mon église. Que les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Prévaloir. Donc, les portes de l'enfer ne s'imposeront point contre cette église. Et maintenant, on comprend, d'abord, l'église de Dieu, c'est quoi? Ou même l'église de Dieu, c'est Christ lui-même qui bâtit son église. Vraiment, là. Si tu as vu ce qu'on a, exemple, le processus, on a utilisé qui, pour la doctrine de l'église, au moment là, H de Noé. Toi, tu es dans l'église de Dieu, hein, tu vas comprendre. H de Noé. Et là, c'est ça qu'il y a une H de Noé. Et c'est là qu'il refuge. Autre chose, dans le monde, il y a Jésus-Christ. Refuge et le salut qu'on a aujourd'hui dans Christ. Animal, les animaux impurs, ils ont représenté les hommes et les femmes des nations païennes. Nous. Les animaux purs vont représenter les convertis en Jésus-Christ, les Juifs. Donc, la quatre H va représenter ensemble l'église de Dieu. Tu vois, bah toi vie grâce. Oh, yé, moi appelle moi grâce. Yé, moi comme Moutalobaki, mes bébés écoutent ma voix et tu vois et me suivent. Tu vois, et que cette église. Comment dirais-je, histoire yaban à Israël. Au moment là qui, les rois de l'Égypte, Pharaon. Pharaon c'est l'image de Satan, du diable. Et que, ben Israël tombe au bima na Égypte. Égypte c'est l'image du monde. Et que tant baso bima na tant baso qui descend na Cana ils ont l'image il y a ciel. Donc tout ça Nzambe azo pesa image il y a église dans une église comme ça. Pour nous comprendre nous wana pour nous comprendre bien église des Zanini. Et que ben Israël ne baso au tambola na Katsi. Il y a désert, il y a des démarches aux chrétiens à Zalamo Leno. Tu vois? Bible Jésus s'habille dans 1 Corinthiens 10, verset 2. Que ben Israël, ben qui baptême par la mer et par la nuée. Nuée, ils allaient baptême de l'esprit. Par la mer, ils allaient baptême d'eau. Au moment la processus, c'est dans ma joie qui, pendant que ça là, pour l'église, tout ça, c'est là, il faisait pour son église. L'église était cachée. Maintenant, l'église est révélée. Elle est où? Où est l'église de Dieu? Voilà, tout marqué pause, tu reviens juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Elle est où l'église de Dieu? L'église de Dieu, il est où? Maintenant, Christ, a dit dans Luc 4, dans Luc 6, 47, à l'obi, je vous montrerai à qui est semblable. C'est lui qui garde, mais qui attend ma parole et le met en pratique. Il est semblable à quoi? Ça veut dire quoi? C'est là le bas, dans la Sabine, nous battons dans la quatre églises langage. Batamolara ndegenin. Alobi, il est semblable à celui qui bâtit une maison, creusé profondément et bâtit sa maison sur le roc. Ça veut dire quoi? Et que Christ Azoloba Moutouaza l'église naïe, attend la Bible. Creuser, c'est méditer la parole de Dieu. Creuser profondément, c'est méditer et dans la prière. Et que au bâtir sur le tu vas bâtir la relation d'intimité avec Jésus lui-même, le rocher, le roc. Et que cette personne, à l'obi, attend Torah et il ne bouge pas. Torah l'axinine. Torah l'a dit, ma maïastalité, ma fausse doctrine. Mais est-ce que, tant que vous parlez, l'église, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Shora aussi, Aza, l'homme de Dieu, parce que c'est un peu compliqué, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église à Shora, ils ont créé confusion, on se pose des questions, est-ce que Shora aussi est l'homme de Dieu, parce que, et comme Kobang, ça va tout, certains même dans l'église,
interprète mal Dieu. On se dit, est-ce que c'est Chora? Comment? Pourquoi? Frère, Makambo, où est le Kakuna? Où est l'équipe? Où est l'équipe? Je vais vous expliquer bien l'émission Oye Kolanda, qui est Blaise Pongo, qui est machin parce qu'il a joué des invitations. L'émission prochaine, je vais vous expliquer vraiment qui est Blaise Pongo, qu'est-ce qui s'était passé. Mais ce qui est vrai, ce que moi je sais, ces frères-là, ils ont existé. Ils ont crié. Mais à format, ils ont été belés. Ils ont été formés. Ils ont été créés par secte. Na kati ya message na la kati message na pesa qui a pesa ba twana ba monde ba zo créer désordre na la kati secte twana ba to ba zo créer ne ba désordre tout zo mon alelo yango zo bima tant ba ko ma mire ba zo créer désordre wa na kati église ya Chora ou qui crée non en fait Chora ça rend l'église kala a pesa autonomie na l'église wana partout on a monde entier il y a plus de 5 ans pesa autonomie na l'église. Bah toi là Lélo, bah dans l'église, bah tika là vraiment l'église, atika vidéo ça même na ba image, tu vois, atika et que c'est qui se passe et que na bakati ya bani noala ba sien ou bah dans la église ni on sauté mais certains bah comment pire que bah Tshatumba, bah comment bah petit Tshatumba, bah comment bah bishop, tu vois, et que tu ne peux leur rien dire, bah comment même si au PC vous partagez selon la parole de Dieu, tu vois. Orgueillé comme pas possible. Donc c'est pas par hasard besoin de battre basa bongo. Besoin de battre des gars et tout ça là. Tu vois? Parce que certains basa tant bon mon assurera bah comme ils battent ma lame. Tu vois? Mais tant que basa l'église na bongo bah comme les petits chatumba, les bishops. Tu en peux ce exemple mon co. C'est du vécu. Tu parles avec une sœur ou un frère. Vous partagez, vous sur la pré-culte, vous partagez normalement. Au moins, l'ancien Mouaïe, la Simalabino, a été invité dans ma solo bosolo. C'est mal pour lui. Et il fait ça pourquoi? Parce que, Moussoukou, depuis courageux, a posé une même question. Bonjour, vous parlez de quoi? Tu vois? Pourquoi il faut ça? Parce que, Bazali, Bazoumi Mouna Bazaba, ancien, le berger. Or, la Bible nous dit c'est l'Éternel qui est mon berger. C'est le berger qui va dire aux anciens que non, l'autre et l'autre là, va tout vivre la masoumou. C'est là que rôle d'un berger, et que ça, pour le vrai berger, mais maintenant, c'est eux qui surveillent. Tu vois, et bah, comme ancien est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, l'esprit d'ancien est sur moi, il m'a ouvert pour évangéliser les pauvres. Bah, comment la place, il y a Jésus. C'est là que Christ n'est pas d'accord. Moi, il m'a montré ça comme je le vois. C'est pour ça que nous avons dit l'église, nous avons dit que ça va servir en Christ et Mibal, et nous avons dit que ça va faire prophétie, que ses frères, ils ont créé des dégâts, des femmes, celles, ils ont tombé dans l'église. C'est pour ça aussi. Non, mais, et l'autre a bon de coco, ça, la matinée, non, n'a eu qu'à monter. Non, tu es aussi du vécu. Open Seigneur, y'a moi la qui s'en a la monnaie. Oh, le biwana, franchement, la monnaie était dans le capeté. Mais la église, c'est ça, ma part. Non, exactement. Ma bon, exactement. Moutako, je vois, moi, ça m'outouté. Seigneur a dit, je mettrai une inimitié entre la postérité des serpents et la postérité de la bête. L'inimitié, c'est quoi? C'est la haine. Moi, la haine, il y a un ami, regarde, la Bible nous parle, tous les hommes ont pris la Bereshit, Bereshit bar, Elohim, Hashamayim, et Bereshit bar, Elohim, et Hashamayim, Veraet, Eraet. Ça veut dire quoi? Au commencement des créations, les cieux, la terre devait former vide. Autant tu peux expliquer. Tu vois? Et que il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. À l'abîme là, c'est la postérité des serpents. C'est bah on est bah tout basé dans l'église Moussous. L'église autre monde a l'élo binza binzambi. Ils ont beau te malocra ben binzo quartier bon église. Il y a voilà la postérité des serpents. Et qui est en train de l'église, où il y a des gens qui sont en train de se faire.
Bible est sur la 1 Jean 1:8, que si nous disons que nous sommes, nous n'avons pas de péché, on s'est fait mentir. Mais à l'époque, bien sûr que ceux qui sont des dieux ne pêchent pas. Tu veux dire quoi? Au royaume où l'ingamo ça m'outoute. Ce monde où l'ingamo ça m'outoute, il fait partie de l'église de Satan, la postérité de serpent, la race de vipère. Bah passer un bête tout le monde là, parce que ça va acte à bon mot. Comprends direct, il ne fait pas partie, il n'est pas de Dieu. C'est ça, quand on comprend, c'est l'église de Dieu, mais l'église de Satan. L'église de Satan est visible. Comme l'église, c'est aussi Jésus, mais un faux Jésus. Faux évangile. Esprit arabe. Il y a un moment qui va te faire purifier. C'est la haine, la postérité. Tu vois, haine ça entre la femme et la postérité des serpents. Cette haine. Bah, tu vois là, bah, ça là, l'église, les ténèbres. Ténèbres, vous allez, ange, il y a un ange, bah, quoi, qui, diable, n'a pas de démon. Bah, mon nez, bah, ça, l'église, voilà, bah, passer, voilà, bah, tout ça, là, bah. D'accord. Ce monde est mouton, il y a un ma fille, il y a touché, tout. L'église, d'abord, ma femme, d'Arali Bosso, moi, c'est mon bali, Pharaon et la reine. L'équipe, nous avons un bazar de tapis rouge, nous avons un bazar de système Nyoso, ma maman prophétesse, ma maman pasteur, la Bible des athées, ma soeur, tout ça, il faut qu'il m'a. Je vois mon scénario, je vois mon beau qu'il m'a. Thomas, qui pose, tu vas juste après. Les Congo à L News, première chaîne d'info. La ligne qui va moi, tout, mais là, font la parenthèse, mon rôle politique aujourd'hui. Ça cause problème parce que aujourd'hui les peuples congolais, par rapport à ce que au prêché Bissot, parce que aujourd'hui les Congo traversent un moment difficile dans les pays voisins. Aujourd'hui, les Congolais pensent qu'aujourd'hui il faudrait venger. Faudrait vraiment que Mambé au Rwanda et Sali dans le Congo, les Congolais, il faut pas se faire en Rwanda, Ouganda, Burundi. Et encore aujourd'hui, est-ce qu'il est important que les Congolais venger ce qui s'est passé aujourd'hui dans la République démocratique du Congo par rapport à des pays voisins, qui ont créé des massacres, qui ont fait dans le Congo. Dieu parle, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. On ne peut pas venger Rwanda, Burundi. Le Congo Salaté, Mobutu, le défunt Mobutu, ni na Sala, na Rwanda, à Zabassi, à Zambon, à la banque, à Nyasso. Donc ouais, c'est la politique. Il ne faut pas rentrer dans des histoires de blocs pour y a pas politiciens. Les Rwandais, ce sont les peuples de Dieu. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Tu vois, c'est alors que le monde dira que vous êtes mes disciples. Tu vois, et que Dieu, il y a une nouvelle ère, il naissant la mana au Congo, à Kinshasa. Il faut qu'on l'ait à pardonner, il faut libérer pardon. Il faut qu'on l'ait à libérer pardon parce que la Bible nous parle dans Esaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux choses passées et ne considère point les choses anciennes. Voici, je m'en vais faire une chose nouvelle. Donc, nous avons dit que c'est alors assis dans le Congo. Quand a changé, Congolais faut y aimer quand on change. Alors le Congo Nzambi, bah tika le Nzambi Nzambi, bah le Nzambi le mandat qu'on a bango na famille na bango na ba na ba papa. C'est à ce moment-là, Dieu il va se révéler à chacun de nous et que chacun de nous il va être propre vis-à-vis à Dieu et que on va pardonner nos voisins, bah pays nous surtout nos voisins, oh ça ils sont mabé, faut tout pardonner et que 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses faites nouvelles. Donc, pour le récit, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle ère dans le Congo, avec Jésus-Christ de Nazareth, il faut que le Congo libéré, pardon, dans la nation, nous sommes ensemble, parce que tout le peuple est mort devant. Mais spirituellement, pourquoi la guerre sur le Congo? C'est dû à quoi spirituellement? Il a dit que le Congolais. Nous avons apprécié mon mémoire, nous avons le Congolais à l'aller centre dans le pays d'Afrique, comme on a dit. Le Congolais, nous avons apprécié l'Iloba. Apprécié l'Iloba. Dans le pasteur, et qui va passer, nous avons apprécié moyen. Moyen, c'est la richesse, tout ça, on a ma belle. Pour nous, nous avons moyen, il y a un missionnaire, il y a partagé la parole de Dieu partout dans le monde entier.
Comme on a vu parole de Dieu, on a kangé un peu naïe, à saler mon système naïe, à saler mon idolâtrie, d'être y a régné, accaparé, na gloire, y a un zambé. Y a un zambé, ils ont frappé Congolais. C'est la malédiction. Ils ont les causes, ma pasteur, c'est l'église qui est à la base de cette malédiction. Tu vois, il y a un il faut qu'on le à comprendre à côté de l'église, il y a un zambé, il y a un zambé, pardon, à senga mon mona na eto o moninga na pardon, ba voisin pardon, tout tambo la sikola bon mon corps. Mais lorsque l'on dit que ma pasteur n'aime ma kangi bénédiction à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut battre, venger, battre, punir ma pasteur Wana. Comment faudra-t-il faire pour que bénédiction Wana, gloire à Dieu et fonga ma katina Congo? Tu sais, ceux qui ma peuple était va comprendre qui est Dieu. Ma compagne, ma lit Congo la compagne, elle est vraiment peuple béni par Dieu, élu de Dieu, et que à l'ukinzambe, à nous fier mon Congo la va nous gosser à bolim c'est pas nzambe. Et que nous avons dit, nous avons dit, nous avons passé à la faux prophète. Nous avons dit, nous avons dit, il y aura les paix. Il y aura les paix parce que le temps est venu. Tant que nous avons dit, nous avons changé, nous avons dit, c'est quoi? Tu vois, il faut qu'on change nous parce que l'autre monde là-bas, tous les hommes de Dieu, ils ne sont pas appelés par Dieu. Je te dis devant Yahweh, ils ne sont pas appelés par Dieu. Coutinho Fernando. Yabunga, Denilès, Abunga, Mama Olang, Sony, ils ne sont pas appelés. Mais, Bakombo, tous les grands, tous les noms connus, il n'y a aucun nom connu par Dieu. Et peut-être que Bazaki a appelé au départ, non? Mi Bali la tengo liboso, Koutino, Denilès, Bazaki a appelé, mais bah, on va dévier. Mais les restes, c'est là, non. Mais, oh, Bayebi, Nzambi, oh, Nzambi, Bayebi, dans Congo, Bazali, mais Bazak connu, tu sais. Tu vois, vous n'avez pas l'encourager. Il faut aussi passer, tant qu'il y a des choses comme ça, il faut parler de Jésus. Voilà, merci beaucoup, frère Serge. Je vous remercie pour l'émission d'Abso. Je vous invite à la plateau, je vais vous parler encore. Merci de nous répondre à l'émission d'Abso. Merci encore à l'équipe technique de la Mobimba. Merci à la Congolais, à l'émission Les Congo. Vraiment, vous partagez, vous tweetez, vous allez autour, vous allez pour et comment, et pas de connexion sur le Congo, du Congo. Et surtout, nous avons un pasteur, au avons une parole de Dieu, vraiment, vous pour ça qu'on intervenir, vous hésitez, ni moi, vous s'afficher. Bon, un plateau n'a pas été ouvert à tout le monde. Donc voilà, il y a vraiment qu'on partage la parole de Dieu n'a pas tout le monde. Donc merci encore à l'équipe technique, la Mobimba, la nouvelle photo, la réalisation, Kaki Kanye qui vient de Mangala, puis Marion Ndoss à la caméra, et aussi Marie-Josée Mabassi. De toi, je suis congolais, Kabila Notu. À très bientôt.